Lakay Haïti.com, mesdames et messieurs, nous comptons rejoindre nous encore une fois dans une nouvelle vidéo ça que nous portons pour tout et compatriotes nous yo. Et pas oublier, jeudi c'est mardi et c'est 7 février 2023. Et jeudi là, by président Jovenel Moïse. Et donc environ de l'année depuis le moment si mémoire nous pas fait nous défaut et jusqu'à présent pour qu'on gagne justice. Et bien jodi a là gagne ancienne première dame pays d'Haïti Martine Moïse qui lui même sorti dans silence li et jodi a même dans date ça pour le voyer message ça ba ici là yo qui t'a complice dans assassinat président Jovenel Moïse. Et bien parrain nan jeune pas là tout un gros bourgeois politicien qui impliqué dans zak ça. Tout le monde joue un pari aujourd'hui à la dans dernière sortie ça que Martine Moïse lui-même fait et nous allons inviter autant de déclarations anciennes pour mesdames. L'autre nouvelle que nous portons pour vous qui fait un pile et parler un pile aujourd'hui là et gagne tout ancien sénateur Simon Diocel Dera qui lui-même passé mauvais moment en bas coup de balle bandit dans bloc canarien mesdames et messieurs depuis quelques temps nous connaît nèg ça au cap fait et des faits qui groupe gang ça cap dirigé par Jeff. Et bien, nous allons inviter ou à gagner des détails tout sous attaque que la police t'a mené. Donc, sous groupe gang ça et gagné yo bandit qui même relé Jerry, monsieur tombé. Et nous allons inviter ou à gagner des détails avec madame Liliane Pierre-Paul qui va nous plus de détails à plus précision. Et bien, sous dernier sorti ça que la police fait écouter ou bail résultat. Et donc, à un soldat ça qui dit même tombé en bas coup de balle bandit parce que le tenant échange coup de zam. Et bien, la police sans pitié. Mettez monsieur dormi à jamais. Nous allons inviter autant de déclarations Martine Moïse dans date ça qui c'est 7 février 2023. Et Jovenel lui-même qui était assassiné 6-7 juillet 2021. Et bien, mesdames et messieurs, nous allons inviter autant de déclarations anciennes pour mesdames Martine Moïse. Et dans l'occasion, ça, retenez sur vidéo jusqu'à la fin. Abonnez, like, partagez, surtout quittez un commentaire. N'a tourné pour une nouvelle vidéo. Je nous connais, et je dis à la, c'est 7 février 2023, qui marquait environ, qui marquait 19 mois après l'assassinat président Jovenel Moïse. Eh bien, juste action, juste spécial, dans la mémoire, chaque haïtien, côté que, dans la rue Port-au-Prince, qui a quelques mouvements qui ont pu s'effectuer. Non, on n'a pas été là, mais nous avons dit tout. 7 février, ça, il y a nous la chute de Duvalier. Côté que nous connaissons 7 février 86, qui s'est passé? Eh bien, côté que Duvalier était quitté pouvoir. Eh bien, côté que nous avons conduit sorti de la paix nationale pour aller dans l'aéroport international de l'ouverture. Pour le quitter pays, eh bien, je dis à nous, comme on dit, environ 37 ans après, qui s'est réglé, Jimmy, nous avons dit, un pays qui plongé dans l'insécurité généralisée. Côté qu'en pile, on a fait commentaire, comme quoi, eh bien, Duvalier était meilleur par rapport avec le régime qu'il a. Nous pas, mais nous-mêmes, bon côté pas nous, nous tiens à ce que pour nous informer des réhaïtiens dans le pays d'Haïti. Et Jimmy, dans quel jeu nous est là, au niveau, eh bien, justement, zone canarien, eh bien, il y a un ancien sénateur, Dera Simon Diocel, qui lui-même manquait quitter Paul par rapport avec attaque bandit canarien fait sous lui. Et dans le bandit canarien, c'est même monsieur, c'est même allié, monsieur Iso, monsieur Tilapio, qui ont même tabli basé en l'air là. Eh bien, bien monnaie, jeudi, mardi, eh ben, 27 février 2023, bandit canarien, eh ben, attaqué, c'est l'ancien sénateur de Simon Diocel, sécurité, le blessé, pour pas du chauffeur, lui, eh bien, côté que, c'est deux justesses qui sont arrivés sauver, eh ben, ouais, ancien sénateur de Simon Diocel, nous connaît, qui était, tout nos persécuteurs, dans deux prédats de Jovenel Moïse, qui t'a pris toutes sortes d'accusations, eh ben, jeudi 7 février, là, de Simon Diocel, eh ben, manqué à joindre, eh bien, ancien sénateur Yvon Bisquette, qu'on a quitté Paul par bandit Timakato, eh bien, nous, là, chez eux qui commencent à demander, mettre là, nous connaissons bandit Saoki, implication, on sait des sénateurs, hommes d'État gain, justement, par rapport avec, affiliation, eh bien, nous, bandit canarien, attaque sénateur, ancien sénateur, et de Simon Diocel, qui lui-même, non, on n'a pas été là, eh bien, ça sorti, il n'est pas blessé, mais c'est quitté le point balle, c'est quitté le blessé, eh bien, c'est comme sa situation là, au niveau canarien, sans oublier, au niveau département de la tribune pour faire les points. Voilà, et puis, non, sur le site internet, il publié information ça, il y a un membre actif, gang canarien, la police stoppée, ça veut dire tout présumé bandit, ça y est, le dirige jeudi, qui membre gang, Jeff, il n'y a pas de signature, a dirigé, qui est basé dans canarien, la police dit pas de signature, Jeff, là, et pourtant c'est lui-même qui chef gang, non, monsieur était blessé. Et non, tiré l'obé avec la police hier lundi 6 février dans une bon repos.
il a 39 l'année, il sont natif d'Elma, Djeria, chef gang nan Jeff te installé et Jeff là son bandit qui gagne patente tout le monde connaît dans zone nan et les Pitimi, pas tellement loin côté les Corail et c'est là et l'a dirigé gang ça. Djeri je dis et la police dit t'a cherché pour implication t'a gagné dans mettre du feu dans sous-commissariat Corail là. De tout ça la police dit, mais jusqu'à présent c'est toujours second couteau la police a annoncé li mette men sou yo, pa gen ken grand chef yo la police jam mette men sou yo et en plus de ça tout la police li dit li mette men li dit li touye mais moun yo pa wè pa gen ken information ki publié ki montre zone côté la police pené opération moun li dit ki victime yo rien du tout nan sa ça. Et ça fait grand pile moun ki mette en doute gang la police dit li fait nan question opération la panel. Yo prend prétexte contestation pour ouvrir van viol. Frère Maxime dans pays d'Haïti ak nan diaspora. Ça fait 35 l'année. Peuple haïtien a goumé pour joindre démocratie. Pour bâtir un état fort. Pour que la paix ak développement économique blayi et augmente chance pour la vie mieux. Pour gagner l'état fort, c'est obligation pour peuple à voter dans bon jan élection. La voter pour candidat qui gen bon jan programme, qui ka di la clé, qui ça li gen nan jakout li comme programme et comme solution à problème pays a. C'est votre peuple là qui a fait candidat ça après élection, rivé comme autorité dans tête pouvoir exécutif là à pouvoir législatif là. Rôle yo nan tête l'état, c'est rivé fait programme yo te promettre peuple là nan moment yo t'a fait campagne là atterri pendant y a dirigé l'état. Depuis 16 décembre 1990, peuple là a goumé pour que 7 février chaque 5 ans, c'est un président élu qui remplaçait un autre président élu. C'est même bagarre la parlementaire yo qui fait partie des pouvoirs législatifs là. Les arrivé dans tête l'état après élection et qui ouvine autorité qui légitime dans pouvoir exécutif à pouvoir législatif là, yo vinn renforcer pouvoir judiciaire et permettre que régime la loi blayi sous tout territoire. Qui donc laisse peuple là qui voter pour mettre autorité dans trois pouvoirs l'état yo. Décision qu'a prend nan niveau 3 pouvoir sa yo gen légitimité ak légalité. Malheureusement, depuis peuple a fin voté constitution 29 mars 1987, oligarque corrompu ak politicien violent refusé respecter règlement démocratique yo. Yo refusé respecter vote peuple là. C'est ak violence seulement yo vle prend pouvoir. Les putschistes yo servi ak violence politique pour faire sang peuple la couler pour ka voler pouvoir. Yo marché sous maman loi pays ya. Yo craché sous principe démocratique yo. Les ça yo fait relé coup d'état. Depuis 1987, c'est saute dans coup d'état, tombé dans coup d'état qui traîne derrière misère ak désolation qui la peuple là nan kouri liye jodi a nou bouke et nou pa d'accord jodi a 7 février 2023 nou te dwe a participer patriotiquement avec honneur dignité nan célébration premier année mandat 59e président pays a que peuple a te dwe choisi nan élection en même temps tout pays a te dwe a célébrer premier année 51e législature qui était doit commencer fonctionner depuis 2e lundi janvier 2022. Au lieu de célébration à commémoration, si on m'a suivi, il a fait peuple à monter parce que chaque jour misère a augmenté. Chaque jour c'est plus souffrance. Li wè jodi, li pa ka fè plan pour demain parce qu'il pa konn ki sa demain a dit.
li pa konn si l'ap vivant toujours. Est-ce que c'est en vie? Peuple la pas d'accord continuer vivre comme ça. Au lieu pays d'Haïti à célébrer démocratie, c'est un cauchemar à vivre. Yo assassiné 58e président d'Haïti, président Jovenel Moïse le 7 juillet 2021. Yo te dit depuis président Jovenel allé, tout bagage changé. Oui. Tout bagage changé vrai. Parce que ça vient pis mal. Yo touye jojo, yo tout fait zéro. Insécurité, la vie chère fait peuple la pas qu'à résister à votre code. Les oligarques corrompus, politiciens violents, pas boyés, c'est à Claude Baudelou, mettez ensemble pour touiller un président, c'est un gros crime qui fait contre nation, contre maman loi pays, contre peuple, contre démocratie, contre chat démocratique régional. Après assassinat Odier, président Jovenel Moïse là, assassin qui était père volonté populaire, arrangé pour pas chame gagner élection, pour peuple là pas participer dans décision politique pays. Bon monsieur, qui ça nous fait là? Yon peuple qui chita en silence malgré n'ap tout pizil? Et puis nous fait ça? C'est le zam peuple là gagner men, c'est zèl kat li oui. Assassin mette pied sous cou la justice. Yo domestique pour protéger tête yo. Peuple a répond bat chien tonne mettre li. Si peuple qui en silence ça. C'est l'ambil la boucané pour le servir comme pour sonner rassemblement. Créole parler, créole comprendre. Jeudi à 7 février 2023. Moun ki fè coup d'état touye président Jovenel Moïse là a travaillé contre régime la loi contre la justice contre démocratie nan zak y a posé yo campé en face constitution en face souveraineté pays en face intérêt peuple là depuis 19 mois moun sa yo représente une menace pour chaque grain haïtienne chaque haïtien qu'elle en Haïti quel nan diaspora sans votre peuple là yo vle rete nan tête l'état avec bénédiction ennemi farouche pays d'Haïti yo qui je nous fait arriver là côté la loi ak principe démocratique yo pas respecté depuis plus passé 20 l'année gen un groupe oligarque corrompu ak politicien violent qui besoin gérer bien ak pouvoir l'état sans yo pas aller dans élection. Chaque fois gagne élection, yo conteste l. Même l'elle respecte tout bon standard national ak international. Yo prend prétexte contestation pour ouvrir van violence là. Yo boulé, yo touillé, yo crasé, yo brisé pour alimenter instabilité politique, puis yo ka faire coup d'état. Installer gouvernement putschiste transition qui compte intérêt peuple là qui compte démocratie qui compte bonne gouvernance en 2017 après président Jovenel fin démocratiquement élu oligarque corrompu à politicien violent commencé une campagne violence à gang contre